Ou parce que ce qu'ils ont permis, il y a Kirt, moi je pense, nous tant que les hommes de l'église, ça n'a pas vraiment d'explication. Parce que nous avons l'arrêté ministériel qui nous autorise à fonctionner dans l'espace congolais. Donc, on n'a pas droit encore à Yakoluka. Comment Kirt est Koki Kozala? Quand on permet l'église à fonctionner, ça veut dire on permet le Kirt. Mais maintenant, Toyalsun a permis des Kirt. Là, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas. Et le ministre doit expliquer bien pour que les gens puissent bien comprendre et répondre à la question. Alors, ce qu'on appelle, au fait, il faut d'abord, les concepts Kirt. Vous voyez, quand l'église se réunit, le concept Kirt, c'est la célébration à ces grands dieux. Alors, il n'y a que Dieu qui peut nous autoriser à faire des Kirt. Mais au Babengi, brevet ou attestation, permis de Kirt, je ne comprends pas. Peut-être le ministre va expliquer. Elingé Lobanine exactement. Donc, droit. Question, ils ont un niveau en été. Parce que l'église, ils ont travaillé na Katia Mboka, n'est-ce pas? Et le ministre, Tangwaye, Alinga Pesaba, ordre Sengeli Akamamboka Nae. Selon ministère Nae. Mais il ne faut pas que Bilokwana ait à créer soulèvement. Parce que cherchons la paix. Voyez, cherchons la paix. Parce que ce qui est mis sous le soulèvement, on n'a rien fait. Moi, je pense que je parle sans complaisance. Mboko Ezala Makambo, Ebele Yakobongisa. On a tellement beaucoup de secteurs, même secteur de la justice, on a beaucoup de choses qu'il faut harmoniser. Mais ça, quand même, l'église est. Donc la priorité n'est pas la fermeture des églises. Je ne vois pas. On peut aujourd'hui fermer, on peut mettre l'église à l'écart. Mais moi, je suis en train de dire, la fois passée, tout cela qui n'a confinement. On a dit qu'église est co-fonctionnée. On a fait plus de 5 mois. Mais je pense qu'on priait chez nous à la maison. Je pense que l'église était toujours en activité à Kobondela. Il n'y avait même pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Le Congo lui-même, là, je parle tant qu'un homme de Dieu. Congo yemoko azana ba problème ebele. Arrangeons, commençons d'abord par arranger ba secteur ebele wana. Et l'église, ce n'est pas tellement un problème, mon frère. De toute façon, toujours traverser les longs. Église, il faut et comprendre. Donc, église est en Bolaka, n'a pas surprise. L'église a un document de référence que nous appelons la Bible. La Bible a tout étalé. Donc, le temps que nous traversons, Oyo, Ezali est en période de moko eschatologique. Ce sont des moments où les signes précurseurs du fin du temps sont en train de se révéler l'un après l'autre. Très bien. Il y a un autre que, dans le moment Oyo, foi exacte. Même le Christ lui-même a dit, est-ce que quand je vais rentrer, trouverai-je la foi sur la terre? Il s'est posé une telle question. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura des moments comme celui-ci, où il y a la perversion, la déviation, n'importe quelle sorte de message. Voilà, à tous et à toutes, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, vous le savez très bien. L'Isola Voyage Sengara, une bonne adresse, et Sengara crédibilité, et Sengara paix, fiabilité, mais aussi la rapidité. Alors, yo, Skokyo Mbongo, Kosiyo, de gauche à droite, venez rapidement chez nous, agence de voyage, les corps, et Zawana pour nous soutenir, pour vous assister dans vos démarches et voyages. Alors, nous sommes arrivés à la fin pour cet entretien. Appelez-nous, nos adresses sont affichées, les numéros sont affichés et vous serez totalement bien servis. Merci beaucoup. Mbonga passion. Ma bébé, si tu visais ma bébé, tu te l'as dit à l'aéroport. Ce sera Yokiango. Ah, tu l'as vu. Ça, c'est Yokiango. Yéwana, moi, on est au de la raille bambou. Bandikounanga, guerre d'esprit, yanini tout ça, canango. Baruba, moutoua tout naka, alia kanyama et kirati. Oui, un amour. Un coup, une femme, Canada. Où ça la gagne? Donc, mon ami, soit au tamboli, à Walingua, la donne à toucher à sa mouba, quoi, 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 quoi
faut donc retrouver place au tomoni. Bouillé. Mon peuple périt faute de connaissances. Makelele et Tondi qui chassent sans Mbimba. Mais on va aussi le loup à mon matin. Bisous, tous les gars, au bon matin. Tozali n'a croisement des avenirs Willery et Dodoma. Moi, n'a pas qu'il y a. Vous foutez combien pour mettre à définir le terrain avant le Canada. Singleton, pour te bénir mon tomoko, ils en ont 7 dollars. Couple, ils en ont 15 dollars. En famille, peu importe le nombre, ils en ont 20 dollars. Alors, on a informé, puis nous avons service, nous sommes tous en amour, dans 4 agences, dans Misso, les corps, Entre Express, Canada Mutual Service, nous avons une inscription dans l'université à Ottawa, tout ça la paix inscription dans l'université de Moncton, tout ça la paix. Inscription na université il y a trois rivières. Na mori ke na jan soyo Canada il y a six ici. Entre Express Canada Société Amitié Service Licor. Voilà, grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, vous nous captez sur Équilibre Télévision à travers le monde. Jérémy Lemba, les renards du désert est devant vous. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez les liens pour nous encourager. Je suis là avec l'homme de Dieu, le pasteur Faustin Ikaka. On va essayer de parler sur l'actualité tout à l'heure. L'homme de Dieu, encore une fois, merci de nous avoir reçus. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour aussi Nabande Kobazo Landabiso. Merci beaucoup. Alors, on est là. Bonne évolution, Moussa Lanzembaba. Oui, Moussala comme Zanzambe, vous savez comme le lobby évolution à Moussala et Nzambe. Parce que ça appartient à Dieu. Tout ce qui est de Dieu réside toujours. Donc ça va, toujours Bunda, toujours évoluer. Il nous fait grâce. On commence par la prière, l'homme de Dieu. Tendre Père, merci pour ce moment que nous voulons parler tout autour de ton nom. Bénis cette mission, bénis Jérémy, bénis l'équipe technique au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu nous suives de loin, de près, qu'il soit comblé de bénédictions. Amen. Amen. Voilà, on va commencer par l'actualité. Comme vous le savez, l'église du Congo, je ne sais pas si vous avez menacé ou bien un nouvel ordre. Parce que l'actuel ministre de la Justice est catégorique. Après une réunion hier, désormais en RDC, pour exercer comme pasteur, il faudra obtenir un permis de culte délivré par les ministères de la justice. Lorsqu'on dit permis de culte, déjà par rapport à cela, vous comprenez mon ngeni. Bon, expression permis de culte, le ministre m'a expliqué biso. Voilà. Toyebi, ce qu'on appelle, au fait, il faut d'abord baibisa biso les concepts culte. Vous voyez, quand l'église se réunit, les concepts culte, c'est la célébration à ses grands dieux. Alors, il n'y a que Dieu qui peut nous autoriser à faire des cultes. Mais au babengi, brevet ou attestation, permis de culte, je ne comprends pas. Peut-être le ministre va expliquer. Et l'ingé l'obanine exactement. Donc, droit à Kosangana, on dirait. Photo Sangana, photo Zana Mukanda à Kosangi Sabatu. Moi, je pense que là, il faut que le ministre au moins a revoir. Parce que ce qui est important. Église et église appartient à l'arrêté ministériel. Quand tu as l'arrêté, c'est une permission. C'est l'État congolais reconnaît cette église est telle et fonctionner dans l'espace Yambokanae. Donc, du fait que nous avons la permission par l'arrêté ministériel, je ne vois pas comment le culte toko lukalisusu, comment toko sangana. Parce que mboke yebi d'abord biso, na mukanda ou etangi, arrêté ministériel. Mais comment on doit encore chercher permis de culte. Donc permis de conduire, permis de construire, permis de culte. Et ça c'est pas une exagération, ça. Bon, je pense que le ministre doit expliquer. Et puis c'est payant, hein. Vous foutez la bombe en bon, ouais. Oui, mais aucun permis ne peut pas se sorder sans payer. C'est comme ça et ça se fait. Donc il faut tamaka. Alors qu'on nous dise, il y a un autre besoin qui est caché derrière. Ça, ou parce que ce qui les a permis, il y a culte. Moi, je pense, nous, tant que les hommes de l'Église, ça n'a pas vraiment d'explication. Parce que nous avons l'arrêté ministériel qui nous autorise à fonctionner dans l'espace congolais. Donc, on n'a pas droit encore, Yakoluka, comment kilt et koki kozala. Quand on permet l'Église à fonctionner, ça veut dire on permet le kilt. Mais maintenant,
Toyal Suna permis de quitte. Là, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas. Et le ministre doit expliquer bien pour que les gens puissent bien comprendre et répondre à la question. Alors, il s'ajoute encore notre point à l'objet, 2 à 3 églises maximum par commune. La population a besoin d'écoles, d'industries pour se développer. Constant Moutamba signe encore une fois, une église dans un rayon de 500 km par carré. Sur vous a déjà limité, vous avez déjà ébélé. Plusieurs églises alimentées, par exemple. Si on dit 2, 3, cela veut dire que Borosangana, Bandeko, etc., depuis Kala, ou bien Baro effacé, Bino, Batouna, nous sommes dans un immeuble, ou comment l'homme de Dieu? Non, moi je pense que question est à niveau en été, parce que l'église, ils ont travaillé na Katia Mboka, n'est-ce pas? Et le ministre, Tangwaye, Alinga Pesaba, ordre Sengeli Akama Mboka Nae, selon ministère naïe. Mais il ne faut pas que Bilokwana ait à créer soulèvement parce que cherchons la paix. Vous voyez, cherchons la paix parce que ce qui est mis sous le soulèvement, on n'a rien fait. Moi, je pense que je parle sans complaisance. Mboko Ezana Makambo, Ebele Yakobongisa. On a tellement beaucoup de secteurs, même secteur de la justice, on a beaucoup de choses qu'il faut harmoniser. Mais ça, quand même, l'église était. Donc la priorité n'est pas la fermeture des églises. Je ne vois pas. On peut aujourd'hui fermer, on peut mettre l'église à l'écart. Mais moi, je suis en train de dire, la fois passée, tout cela qui n'a confinement. On a dit que l'église est co-fonctionnée. On a fait plus de 5 mois. Mais je pense qu'on priait chez nous à la maison. Je pense que l'église était toujours en activité à Kobondé. Là. Il n'y avait même pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Le Congo lui-même, là, je parle tant qu'un homme de Dieu. Congo y moko azana ba problème ebélé arrange commençons d'abord par arranger ba secteur ebélé wana et l'église c'est pas tellement un problème mon frère parce que église ezali ko participer pe na kosunga pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup d'injures ba je dis ça biso kobi non église rendre ba tuba fenea n'est-ce pas oui et rendre ba tuba fenea au lieu que Batouba s'est soulevé, Batamba la marche, Naba église Azolo, que ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on reconnaît que l'église fait un bon travail. Des fois, beaucoup de gens, des ordres de M. Sezosa Mambo parce que l'homme de l'église a pris sa responsabilité à main en prêchant la parole de Dieu. Et les enfants-là écoutent la parole de Dieu, c'est pourquoi ils se maîtrisent. Donc, Milo Keza et Bélé, secteur à Kobongisa, je pense que même ceux qui m'ont Kobongisa, je ne peux pas les empêcher de travailler pour la nation. Mais ceux qui m'ont Kobongisa, l'église, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Qu'on peut se dire que non, il faut secteur, on a tout ça là. Ce n'est pas encore une priorité. Alors, 2 ou 3 églises par commune, et aussi quand on est limité. 2 ou 3 églises par commune, ça ne veut absolument rien dire parce que ce sont des choses, je ne sais pas, voyons voir parce que ministre a co-signé, mais faisabilité dans mon Mtezali Bitomba. Est-ce que cause à la mise en pratique réellement? Parce que je ne vois pas vraiment la question de l'église, c'est une question un peu complexe. On ne traite pas l'église, ne va traiter Bilonios. Parce que l'église, c'est le Dieu qui en est le maître. Yé Mtaza Mokonjina Yango. Et à Benga Batu, Ngana Zali Awa, Okuna Kozalanini. Mais au fait, sur le plan organisationnel, on peut se dire que Tokoki Kosangana Pete, Tosangana Nengeni. Parce que Ngai na Bengami na Likambo Boy, Oya Bengami Bo, Dieu appelle chacun selon appel Naye. Bosko Tan Tolobi, Tosangana Bisonios. Ce qui est l'église Sangani na commune alimentée, par exemple, 3 églises. Est-ce qu'on a résolu quoi comme problème en faisant ça? Na pays na mbo cannabis au Congo. Acceptons par absurde que le Congo maintenant les églises nous nous réunissons. Tosali maboke tosangani. Alors dis-moi qu'est-ce qu'on a vraiment réglé comme problème na Congo? Je ne vois rien du tout. Donc ce sont on les ali babilo comme secondaire. Non, ils ont provoqué quand ma pasteur. Bon, je ne sais pas, il s'est expliqué, le ministre lui-même s'est expliqué, mais provocation ou pas, il n'a pas le temps de provoquer ba toi soit administré, il ne peut pas le provoquer. Mais question les alinde, yakoyé ba kotier lokone sika na yango pour que ba tunyoso tous en akat sa collaboration pour trouver la paix et améliorer la situation de notre nation. Donc les dirigeants, les autorités, les politiques, que eux ne croient pas seulement que eux,
qui sont en train d'administrer ce pays, mais l'Église est en train aussi de jouer des rôles importants dans plusieurs manières. Donc, nous devons collaborer, rester en paix. Voyons voir bon, si c'est bien signé et continue à vigueur. Et ça, tout le temps, comment ça va donner. Parce que l'Église, pas qu'au côté de la réunion, ils vont s'organiser, ils vont voir quelles sont les réponses qu'il faut donner dans l'Ikamboy. On verra. Alors, on verra. Je sais qu'on s'attend à des marches, des protestations, marches de résistance, des discours, des propos, tout ça. Ça va arriver. Donc, la décision est tombée, c'est vrai, c'est un peu à la hâte. Par commune des églises, la démographie, elle est là. Le nombre de population, elle est là. Ça posera un énorme problème. Et je crois que ça sera harmonisé. L'homme de Dieu, vous avez un programme spécial dans cette église. C'est pour le mois de septembre. Ouais. Les jours avancent. Chrétien Botel Abisso doivent retenir quoi par rapport à ce programme? Ils doivent retenir que le 4 Day, c'est ça, le programme Mokon Zambapé, ça, tout ça, là, chaque année, une fois. Et nous disons, c'est le temps favorable, pas seulement pour les corps de Christ, mais pour tout le monde. Parce que vous savez, Dieu ne peut bien fonctionner et on peut vivre la main de Dieu que si nous sommes dans son temps. Le moment favorable que Dieu a fixé à Kapona Bananaye et ça la Kalipamboli. Oyebi, de Kolanga Jérémy, Nzamba Ebi si Noé Batonga Masua. Parce qu'il annonçait les déliges qui venaient. Et Noé a annoncé Batonga Batonga Te Batubaya et Bango Bamata. Finalement, les gens étaient engloutis et immergés par l'eau. Donc aujourd'hui, Tolingi Tolobake, 4 Days. C'est un programme que Dieu nous a donné, pas seulement pour l'Église, mais pour cette nation. Donc nous devons nous emparer, tokoki ko profiter na yango. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande confusion. Zaka, peut-être, tel à l'écran à la télévision, tel à Komi Boye, qu'on peut dire que non, ça vient de Dieu. Mais attention, il y a encore les 7000 qui n'ont jamais fléchi devant le diable, qui n'ont jamais fléchi devant ce monde. Ils sont là, parmi ceux-là. Je pense par la grâce de Dieu, on est là. Et quand Dieu nous donne un programme comme 4 Days de cette année, c'est une bénédiction pour la nation tout entière. Il faut que nous soyons profiter de nous, de nous, de nous, de nous, de soutenir ango. Et dans la prière, dans la capacité, dans la moyen financier, c'est comme ça que nous devons s'ouvrir pour que ce programme ait le cabia. Et je crois, par la vertu du Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu, Tokobanango, du 4, Tokobana, mes crédits à les 4. Et ton Kendekosu qui ça, le 8. Je pense que, et sa bénédiction, mon commune n'est pas un bon cannabiso, ton Bengi Batunyon surtout, dans le moment où tu as préparé, préparez-vous, et il faut vraiment soutenir ce programme. Alors, votre mission est basée sur la foi. Nous sommes Assemblée chrétienne centre de foi, mais Bandeko Mingi Lelo, va perdre foi à l'homme de Dieu. Situation aux hommes. Oui, ce sont dans le bel acte une fois passé que ma situation toujours traversée les longs. Église, il faut et comprendre. Donc, Église est en Bolaka, n'a pas surprise. L'Église a un document de référence que nous appelons la Bible. La Bible a tout étalé. Donc, le temps que nous traversons, Oyo, Ezali est une période de mon corps eschatologique. Ce sont des moments où les signes précurseurs du fin du temps est en train de se révéler l'un après l'autre. Très bien. Dans le moment où il y a foi exacte, même le Christ lui-même a dit, est-ce que quand je vais rentrer, trouverai-je la foi sur la terre? Il s'est posé une telle question. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura des moments comme celui-ci, où il y a la perversion, la déviation, n'importe quelle sorte de message. C'est pourquoi nous disons à tous ces gens qui suivent Équilibre, dans l'émission Jérémy Lelo, il ne faut pas vous embrouiller, restons fidèles et focus à la parole de Dieu. Si la chose n'est pas vérifiée dans la Bible, pourquoi acclamer, pourquoi accepter? Donc restons dans la parole de Dieu et c'est comme ça que Toko Salamakamara, c'est pourquoi nous nous restons figés à la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Et la foi a été toujours focalisée à quelque chose. Et notre chose, nous focalisons notre foi, c'est la parole de Dieu. Donc, force et foi en abisso. Nous croyons à la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ça notre vie.
Et nous demandons aux enfants de Dieu, na bataille à Souka Oyo, la Bible dit, vous qui lisez, faites attention car le Seigneur est à la porte. Nous devons nous préparer petit à petit pour te banenge nini ya koko mabisi kankolo alingi. Et tout ce que nous voyons, des fois, ce sont des signes qui annoncent tout simplement que la fin s'approche. Donc la foi est un élément clé. Un élément clé parce que si quelqu'un n'a pas la foi, ne sera jamais, alors jamais agréable à Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire que j'aime Dieu, mais si on ne comprend pas sa parole. J'aime Dieu si on n'est pas soumis à sa parole. J'aime Dieu si on ne pratique pas sa parole. Ça ne se fait pas. Donc quand on parle de la foi, ça veut encore dire le retour au respect imminent de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Donc celui qui a la foi, c'est celui qui est rentré au respect imminent de la parole de Dieu. Et quand nous respectons la parole de Dieu, c'est ça l'homme de foi. Parce que nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Donc je n'ai pas vu, mais je lis. Ok? Je n'ai pas vu la chose. Mais Natangi Diloba, il obéissinga que l'okezabon. Et je ferme focus, je reste focus, ne l'okwana que je suis béni. J'ai ça. Quand bien même que je n'ai pas vu. C'est ça la foi. Et la foi amène quelqu'un aussi dans certains sacrifices que tu n'as pas l'idée. Il y a d'autres choses où Baninga Msouba a la facilité parce qu'il y a la corruption, mais l'homme de foi n'entre pas dans ça. Donc, Bokosa la corruption, Nabino, lui n'entrera pas parce que la Bible dit la corruption c'est le péché. Lui reste fidèle. Il préfère que dans un sacrifice, ça passe, mais sans renier la parole de Dieu. Et quand on renie la parole de Dieu, on a renié la foi. Quand on renie la foi, on n'est plus favorable à Dieu. Voilà cet ensemble-là des choses. Alors, on va revenir sur l'image de Christ, l'homme de Dieu. Mashallah, ma pasteur, comment on peut être un homme de Dieu, un chantre de Dieu? Les cambois mélangent. Toujours, on a une tendance un peu différente. Comme il y a un sangana. Lorsque vous suivez le pasteur Mike Alambay, qui est pasteur chantre aussi, il nous appelle le 27 juin à Stade des Martyrs pour un grand concert. Mais il déclare que parmi ses invités, il pense aussi à frère Fali et d'autres frères aussi, basés dans la musique, je dirais, mondaine. Et vous, étant que serviteur de Dieu, ces genres de discours ou bien ces genres d'idées, vous les trouvez agréables ou comment? Si un pasteur laisse la place à un musicien de venir aussi chanter sur le même podium que lui. Ouais, ici, c'est un conseil. Un conseil. Parce que Oyebi, Namokilo yo, mais il faut que tu aies un conseil. Très bien. Parce que ce qui t'occupe toujours, penchant vers ma élévation, tu peux perdre le kebele. Si, si. Moi, je pose d'abord la première question. Pourquoi nous organisons des concerts? Ça, c'est la problématique. L'ikambife bandakuna, tinani tozobong saba concert. Je réponds. Là, tinani, nous, tant qu'église, je réponds. Nous organisons tous ces concerts pour gagner les âmes en Christ. Ça, c'est l'objectif. Il faut bantu, baya katina Christo, baye ba Christo. C'est ça le motif. Baya na Christo. Deux, nous organisons les concerts pour la gloire de Dieu. Pour célébrer Dieu et lui rendre les honneurs aux Ezali Aye. Vous voyez l'importance? Très bien. Alors maintenant, ce qui est ok. Je reprends maintenant le baki. Le lengeni ni Moussa et Nanzambe to chantra au Kokozala. Nandenge ya moku seto. Bref, l'homme de Dieu ou le chantre ou serviteur de Dieu, servante de manière générale, doit être le modèle dans ce monde. Photos à la modèle. Parce que la Bible dit vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes les modèles. Lorsqu'on parle de modèle, on voit la référence. A dit bah tout non seulement cause dans ma bête, mais ce qui va monio va prendre yo comme référence. Alors quand nous prenons dans même podium, otozo pambola nzambe, otozo ngsaloku mais pas inanzambe. Moi je préférerais à mon frère, ce qui est important, pasteur, on peut inviter parce que inviter Fali, il y a pas un souci, mais pas pour chanter. Pour venir, parce qu'il y aura des phases, il y a que ça la nini, il y a que yambi sabatou yesu, n'est-ce pas? Et tout cela peuvent monter pour que bayamba yesu. Mais pour servir, là ça devient sacrificiel. Sacrificiel, oui. Parce que tout ce qui est de Dieu est sacré. Vous voyez? Tout ce qui est de Dieu est sacré. Alors, la chose de Dieu qui est sacrée,
On ne peut pas blaguer avec ça. Donc, Tokosala Moussala, na nengete peut-être pour avoir la popularité, c'est bien bon, bah, tout au tondissa. Mais tant que Tokosisa kotondissa, à qui l'honneur et la gloire? Et si nous tenons que la gloire revienne à Dieu, je pense, respectons le prescrit de Dieu, et loko etangami pona nzambe, ebulisama pona nzambe. Et loko etangami pona nzambe te, ebulisama te. Donc, le frère qui l'a invité, il peut venir comme un mondimi moutounyonso, parce que conseil Rezali et Bengi Batounyon comme campagne, n'est-ce pas? Il est venu pour chercher les méchants, il est venu pour chercher les mauvaises personnes, il est venu pour libérer les captifs. Donc Batounyonso yamabe otozali pe tozalaki toya. Mais na service, il y a les attitrés dans la maison de Dieu, dans la chose de Dieu. Tout le monde ne peut pas faire le service. Non, c'est inconcevable, parce que ce podium-là, dans l'or qu'on donne gloire à Dieu, ça devient un matériel sacré. Est-ce qu'on comprend? Là, je donne le conseil à mon frère. Donc, tant au cas tu tiens podium, pour élever Nzambe et comme podium sacré, ce n'est plus le podium ordinaire. Donc, celui qui monte là-bas doit être sacré de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Mais le côté de moi, pas si c'est pourquoi, vous voyez, Jérémy, nous souffrons un peu dans ce pays parce que les gens ne veulent pas prendre la connaissance de la parole. Trop les de gens sentiments. Veulent rester dans leurs sentiments, dans leurs émotions et nous souffrons. Mais les jours que mon pays comprendra ce que je suis en train de dire, je pense que les gens vont se tourner pour dire que apprenons maintenant la chose de Dieu. Donc non, même ceux qui m'utoyent katina yesu atozala kina don yakoyemba, mais on ne peut pas te donner à chanter le même jour. Il faut rester dans nos temps ébélé, dans la formation, dans la délivrance. Après tu peux commencer à exercer. Donc dans un conseil que je donne à mon frère, dans un concert comme celui-là, si on a besoin vraiment de laisser donner la gloire et l'honneur à notre Dieu, il est impérié que le frère qui viendra soit comme des bandimi bayamba Yesu, mais ils ne peuvent pas monter pour prester, parce que ça c'est le sacré de Dieu. On ne blague pas avec le sacré. Ce qui est sacré, honorons ça, donnons de la valeur qui convient pour que le Seigneur trouve sa gloire et sa grandeur. Alors, ça, c'est très bien dit. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Faustin Ikaka. Je crois qu'il y a une différence. Hein. On ne peut pas blaguer avec ce qui est sacré. Tout le monde a un concert, mais il y a Moïse Mbiye. C'était beaucoup plus critiqué à cause des cérémonies qu'on sort. Les gens espèrent voir autre chose le 27 juillet avec le frère Mike Kalambay. Donc, Masolor, mais on va saluer Bafali, on va prendre mon article à mon âme. Ce n'est pas du tout une bonne image pour l'Église. Ouais. Ça c'est très bien dit. Alors s'il faudrait partager un moment avec bah, chrétien bah, talabiso et belé, bah, tout bazana bah, combat et belé, bah, réalité ça et belé. Nazarina Misalabé Moko, Abinangaza spécialiste exorcisme. Bah, exorcisme, Abinangazo, on l'a esprit, bah, tout bazana bah, nyoka, kindoki, c'est différent là, de la délivrance, Nabino Bosala. Ouais, c'est différent parce que. Biso to sala ka délivrance te to sollicita ka délivrance c'est pas Nzambe. Mais le prêtre dont vous faites allusion lui fait des délivrances. L'exorcisme. Donc il sait là où il tire sa force pour le faire. Mais nous de l'église, les enfants de Dieu, o bayambaye sur le kola mon konspe mobiki ici. To bonde la kapona bato kite que to bonde la. Les gens ne comprennent pas même les termes qui sont simples. Oui. Donc, la prière veut dire ko bonde la c'est supplier. Ko senga. C'est-à-dire je ne peux pas le faire, mais je suis en train de prier ou de demander à celui qui est capable de faire. Ah. Et Jérémy, écoute, je vais dire quelque chose. Même le peuple qui nous suit là, il faut vous en accompagner, éveiller peine à conscience mon corps éveillé. Muto azoya ko bisoko ke ngana sala kaboyi azoko sayo parce que nous to bonde la ka tozo senge pa ina nzambe asala grâce. Et quand il s'agit de grâce, on peut demander quelque chose à quelqu'un, il peut le faire au même moment, il peut le faire après, il peut aussi refuser. Vous voyez ça? Donc il faut pas commémant ngomoni j'aime lui parce que azan sincère alobi exorcisme. Ça sincère. Donc au salango, exercice n'a pas notion mususu ya théologique et ça le cola muto ya zoyako ko invoquer ba esprit.
voyez, qu'on invoquer ba esprit pour que basale laye et loko moko boy. C'est comme les prophètes de Baal faisaient l'exorcisme. Mais quand Élie est venu, il a détruit ses esprits. Il a dit au nom de ces dieux-là, il s'est manifesté d'une manière spectaculaire et miraculeuse. Donc, Olelo, que ça l'avait exorcisme, ça n'a rien à voir avec l'église. Et ça, quand on a consulté Nganga, on a consulté Ndoki, on a consulté Misalamabe, et sachez-le, il n'y a rien pour rien. Ce qui va longoli mili moana, il va commencer sous contrôle naie. Il va commencer maintenant à te suivre et ba esprit ba ndoka kulandayo. Mais c'est lui qui délivre d'une manière absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc restons fidèles à Jésus. Nous allons voir combien nous serons tellement errés et merveillés dans ce monde des hommes. Alors, merci pour ces détails, l'homme de Dieu. À tous et à toutes, nous voici arrivés complètement à la fin. Le débat était plus basé sur les fermetures des églises, deux, trois églises par commune, selon les ministres de la justice. Permis de culte, ça fait débat. Mais aussi, il y a mélange entre les serviteurs de Dieu et les artistes et musiciens. Parce qu'actuellement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'au monde, on a mis pasteur qui reçoit un musicien dans son église, mais musicien Martin a cher, a zoomé quoi, yembi, baso collaboré et on ne comprend plus rien. Alors que quelque part il est interdit de mélanger la lumière et les ténèbres. Ça c'est très bien dit l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Badego Batalibiso, bazana besoin et à suite et prière, baza la peut orienter, diriger autrement par un serviteur de Dieu. Puis ça mon numéro de téléphone. Nalingi naibiso bandeko balandi biso. Le salut n'est pas hier qu'à la personne de Jésus. Amen. Ce qui t'opé si mou. Mbote bande, kouzanga maman mika mousungi a population. Nye elibino promotion, ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyon surtout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. Pour na problème ya santé, nde kouzanga problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi, bandeko boya ba solution ezali. Ba kisi ezali ebele, eza très efficace. To buki ba prix, na 30%. Côté cosmétique, toza to ba produit na biso tel que Thémétis, oui. Toza na Thémétis, toza na crème de beauté mika, mafuta ya kopakola, toza na savon, savon na biso gommant, o ezo traité, eza contre batache, acné, ba bouton peu ba vergeture. Tozali na savon noir na biso, oui. Ezo traité, ezo tu à l'aise na douche, ezo protéger contre moi, ezo très efficace. Tozali na crème de visage na biso, ezo embellir et longue, ezo rendre longue lisse et très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution yango yo pona ba peau sèche nyon surtout, solution ezali. Toza na lotion tonique pona ba ta tampon, toza na lotion tonique pona ba o bazan na tampon te mais peau ezali abîmé. Tozali na gommage fait à base de café, ezo rendre longi propre, ezo longola ba bouton, nyon surtout ezo kende na ba graisse. Oui. Tozali na pomade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème ali bandi. Souki ekola ka o bien te, ba produit yango yo est très naturel. Très naturel, car on n'est maman lobi. La pommade anti-solamapéta. Yes. Dès que vous avez un problème, solo, au dégage, au transpire, à mingi. Solution, oui, pommade anti-solamapéta. Bobo sanate, toza na promotion, réduction à 30%, na ba produit na biso, nyon sotou. Kote wana to buki na biso. Kote wana toza na ba kis na biso pe ya poussière, oui. Ya bo koko. Nde kwe si ko zali za mousika, ba produit a ma ezo yate, ba kis ya poussière ya ngoyo, oko mela, na kaya maladi nyon sotou o mama mi katanga ki awa, oko zwa solution na yo. Benga biso, na plus 243, 89, 98, 27 674. Adresse Nabiso Tozana, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Pour la stérilité, bande konanga basi ozoko ka concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozoko ka ko pesa zemite. Ba kisi yango eye eza très efficace. Boya ebele bokoza la décité. To buki ba prix, ngai 7e Naza Awa. Ngai 7e baga Naza Awa. Bye. C'est pas na Yesu.
nous avons la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, tant oyo ebele bakobima na komo na Yesu, na sala miracle, na sala boye, ne le suivez pas. Suivez la personne de Jésus. Alors, nous sommes assemblés chrétiens sans téléphone. Le pasteur Faustin Ikaka, à tout moment que vous avez besoin de nous, nous sommes à l'Équateur, l'unité 13e mairie industrielle et résidentielle, juste derrière l'école Massamba. Donc, si tu veux nous contacter, nos numéros sont là. Tozali na 00243 99 99 26 749. Donc, tu peux nous contacter, tu peux nous appeler, même WhatsApp, on est là, bien disposé et permanent. Toko yambabino, toko sambela, toko supplienza, mais pas ça, les lots grâce. Oui, oui. Et le Seigneur va le faire. Quand quelqu'un reconnaît que je ne suis pas fort, mais je sollicite celui qui est fort, il intervient toujours. Que d'y aller, là où on vous dit que moi je peux faire, aucun homme ne peut être capable de te délivrer. Il n'y a que la personne de Jésus qui est mort pour l'humanité qui est capable de te délivrer. Et quand vous allez lire, Luc chapitre 4, verset 18, il dit, il m'a oué, il lui donne un discours programme pour libérer les captifs. Il n'y a que lui seul. Et nous les hommes, nous sollicitons son concours. Et voilà pourquoi il le fait toujours, parce que nous reconnaissons qu'on est faible. Mais si toi tu es fort, je pense que cette voix-là, ce n'est pas la voix de Dieu. L'unique fort, c'est la personne de Jésus-Christ qui vous bénisse. Et suivez notre grand programme de 4 Days, comme je vous ai dit, qui aura lieu au mois de septembre, tout au début, à partir du 4. Donc soyez là, soutenez ce programme. Le Seigneur ne vous laissera pas comme ça et il vous bénira toujours. Au nom puissant de Jésus, qui bénisse mon petit et mon fils, Jérémy Luemba, et mon ami qui est en privé, en secret, Guissou. Guissou, que Dieu te bénisse et te fasse du bien. Et tous qui nous ont suivis, que le Dieu qui nous a appelés vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, à la prochaine. Voilà, merci l'homme de Dieu, merci à tous. Bye et au prochain rendez-vous.